telling me that, yeah. I think I was going fast in the wrong direction, yeah. but it's happened, yeah, so it's okay, and I learned a lot. I have to say, first 2 days I was seasick as well, so I was struggling big time, and I said, why I do all this bullshit, and oh. And then after a while, I feel it, and I was really happy then, I really have to say, and was a very nice experience. La satisfaction d'avoir navigué proprement, après il y a tout plein de dossiers sur lesquels je suis pas content, parce que j'aurais largement pu mieux faire, mais bon, c'est comme ça quoi. C'est comme ça qu'on apprend. Mais c'était cool, hein, c'est une course de fou. Enfin, c'est dur à imaginer, quoi. Enfin, c'est vraiment dur à imaginer. Faut vraiment le faire. Non, mais en gros, ouais. Et merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé pour que je sois là, parce qu'il y en a énormément. Allez ! C'est quand tu as mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est quand est-ce qu'on a vu, Kevin? Non, j'ai pas bouquiné. Non, j'étais concentré. J'ai essayé de me... Je sais, sinon je vais me faire charrier encore une fois. Du coup, j'ai essayé de faire ça bien. Mais non, ouais, c'était cool. Bah, c'était des conditions variées et tout. Et c'était top. Ouais. C'était ma première grande traversée en mini. Donc c'était quand même aussi une aventure personnelle. Ah, maintenant il reste une belle deuxième étape, j'ai compris plein de choses sur la conduite du bateau. Et puis on s'est quand même fait plaisir, même si c'était dur. Hein. Non mais tu l'as enlevé comme ça. Pas mal. Je suis passé par plein de trucs différents. C'était très intéressant. Je crois qu'on est beaucoup à avoir eu les batteries qui chargeaient pas parce qu'il a pas fait beau toute la semaine là. Et moi c'était le cas aussi. Et c'est un peu galère. Mais bon, c'est le tarif. Du coup je suis un peu cramé. C'est cool, tu fais deuxième bout pointu alors. Ouais c'est cool. Ça a commencé fort, après on a pu se reposer un peu et puis un passage un peu différent après la découverte un peu de la météo ici, c'était super cool. Et puis dans l'ensemble, ça s'est bien passé, le bateau a bien marché, j'ai pas cassé grand chose, tout s'est bien passé. Bravo ! J'en ai profité tout le temps, je pense. Puis je regarde maintenant le mât du bateau là sans les voiles et je trouve que ça me fait trop bizarre qu'il soit vide comme ça. Non, c'était bien quoi, il va falloir que j'assimile le fait d'être arrivé ici. Et puis du coup de devoir repartir après. Bravo. Ouais, en fait, au bout du deuxième jour, j'avais plus d'électricité. Et j'ai commencé à voir la première nuit, la batterie vraiment s'est chargée. Et après, ça a été pendant une semaine, j'étais tout le temps blackout la nuit. Et le jour, je rechargeais, mais très peu. Et du coup, c'était vraiment dur parce que je pouvais pas dormir. Et je me suis poussée à bout. J'ai cru que j'allais abandonner plus d'une fois. Il y a un moment où je suis même allée jusqu'à délirer. Et là, je suis sous les émotions parce que j'ai réussi et que voilà, en fait, c'était vraiment dur d'aller jusqu'au bout et voilà. Pas comme un ouragan. Bah quoi Tu veux manger des frites? Non. Je vais dormir.